Bonjour à tous! Bonjour à tous! Et ben, joyeux Noël! Joyeux Noël, Aline! Oui, joyeux Noël! Et ben, on est heureux d'être avec vous en ce jour de Noël pour nous proposer une belle recette. Qu'est-ce qu'on leur a choisi aujourd'hui? Eh bien, écoute, on a choisi le crumble de poulet qu'on va adapter avec les restes de volaille de Noël. On s'est dit qu'après un repas de fête, on a toujours 2-3 restes où on ne sait plus trop quoi faire. Et là, on vous a trouvé un petit crumble aux légumes. Et donc, on va rajouter les restes de dinde, de chapon, voilà, ce que vous aurez cuisiné. Et bien, écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement. Et bien, c'est parti. On y va. Alors, je te laisse en découvercle. C'est parti. Donc, afin de gagner un peu de temps, on a déjà mixé notre parmesan. Voilà, donc juste pour vous montrer qu'on va pouvoir continuer notre recette sans sélectionner l'étape suivante. Et voilà. Donc là, on va rajouter la farine. On est sur 100 g de farine. Hop. Donc là, ça va être pour faire notre pâte. Ouais, la pâte à crumble. Donc suivant. Le beurre froid qui est ici. Je te laisse une petite cuillère. On est sur 80 g, donc ça va faire pour le granulé. Et 30 g d'amandes décortiquées. Et c'est parti. Suivant. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet doseur. Et on est parti sur 20 secondes vitesse 4. C'est génial de faire un super crumble. C'est génial. Ouais, c'est vrai, ça change du petit crumble qu'on a l'habitude et c'est vrai que l'avantage de faire maison, c'est qu'on peut effectivement varier les plaisirs et laisser cours à notre imagination. Et voilà, donc on vous montre. Ah, génial. Là, on a bien notre petit crumble prêt à servir. Pour la touche finale de notre petit gratin, enfin voilà, notre petit plat réalisé aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Voilà. Donc, hop, vous allez peut-être mieux le voir. Et si je vous le remonte le temps de... Mais voilà, c'est génial. Donc, après, il nous demande de mettre 500 g d'eau, Aline, sur ta droite. Tout est prêt. Optimisation. Voilà. Alors, ça, c'est génial. Pas besoin de laver le bol entre deux. On est simple, on est efficace. On n'a pas envie de s'embêter. C'est le 25 décembre. Insérer le panier de cuisson. Alors, le panier, vous le connaissez. Avec il a un petit couvercle. Pour éviter de mettre trop de légumes et que la vapeur ne puisse pas monter dans votre varoma après. Donc, on nous demande de mettre 200 g de carottes coupées en morceaux. Voilà, on a bossé un petit peu avant. Et oui, le panier. Ici, donc on a tous les légumes de saison, c'est parfait. On va prendre le plein de vitamines. Oui, effectivement. Les navets. Donc ça, avec la douceur de la carotte, les enfants, ils n'y verront rien. Comment mettre des légumes aux enfants dans les gratins, ça c'est top. Donc, insérez le couvercle et sans le gobelet doseur. Alors, hop, j'enlève mon gobelet. Voilà. Et donc là, il va nous demander de mettre le varoma. Parce que vous allez voir, on va pouvoir mettre encore plus de légumes à cuire en même temps. On est parti sur la chair de potiron. On peut aussi adapter sur du potiron, en fait, voilà, de la courge. Pourquoi pas de la butternut aussi? Ça peut être effectivement très sympa en fonction de vos goûts et de ce qui vous reste, effectivement. À la fin du repas. Et donc, puis, je crois que c'est les champignons. Voilà, les champignons. Vous voyez, le plein de légumes, c'est vraiment très, très agréable comme petit gratin pour le lendemain ou le soir de fête. Voilà, donc là, on a donc notre eau et tous nos légumes sur différents étages. Et là, il va nous demander donc de cuire pendant 25 minutes en formule varoma, donc avec toute la vapeur qui va monter pour cuire tous nos légumes. Voilà, donc là, c'est génial, un vrai cuiseur vapeur, ce Thermomix. N'hésitez pas à utiliser tous les étages pour pouvoir faire des plats volumineux pour les fêtes de famille. On peut être 8, on peut être 10. Alors, pas forcément en ce moment. Voilà. Mais effectivement, on peut faire de la grande quantité. Il suffit juste d'additionner les étages. Hop, comme une tour. Hop, on monte. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans 25 minutes. À la fin de la cuisson. À tout à l'heure.
Et ben nous revoilà. Voilà. Hein, 25 minutes après, en tout cas, bon, à 2 secondes près. Hein, c'est ça, voilà, ça va pas tarder. Il va sonner et bah, on est là pour le restant de la recette. Alors, retirez le varoma. Je te laisse faire et grâce alors, au couvercle, on va voilà, voir. On leur montre que quand vous retournez effectivement le couvercle, vous pouvez vous en servir comme repose-plat pour éviter que l'eau en fait, de la vapeur dégagée retombe bah, sur votre plan de travail. Retirez le varoma et le panier de cuisson. Donc là, pareil, je te laisse avec alors, la vas-y, spatule. Tu vas peut-être être plus dans, oui, dans l'angle raison. Que moi. Donc grâce à la spatule, vous avez cette petite encoche que vous allez venir clipper dans le panier de cuisson et ce qui va vous aider à le soulever tout simplement. Une vraie poignée. Voilà. Voilà. Plus besoin de mettre les doigts sur le panier tout chaud. Donc, on met nos légumes. Allez. Hop, on va mettre le plat à gratin ici. Ici, nos légumes. Hop. Donc, on va essayer de bon, les mélanger. Hein, voilà. Hop. Les pâtes favoritisme dans oui. La distribution des parts. Ah, ça, c'est vraiment sympa. Quelque chose de... C'est plein de couleurs en plus. Hein, c'est vraiment chouette. Hein, si vous voyez, hop. On vous approche ça. Voilà. Voilà. Plein de couleurs. Plein de saveurs aussi. Exactement. Et plein de vitamines. Donc ensuite, ils nous disent de rajouter donc, notre fameuse volaille, nos restes du réveillon. Voilà. Donc, On les met bah, pareil hein, sur nos légumes. Dessus. Donc là, laissez le bien dessus pour que ça fasse des petites couches. C'est plus sympa. Hein, voilà. C'est vraiment façon lasagne. Voilà, façon lasagne. Tout à fait. Et puis, bah, suivant. Suivant. Donc là, bah, parsemé le crumble qu'on a réalisé tout à l'heure. Hein. Voilà. Rappelez-vous, le petit crumble avec effectivement bah, les noix, les amandes. Les pardon. Amandes. Mais on aurait pu, pourquoi pas, en variante, mettre des noix. Voilà, vraiment faire plein de preuves de gourmandise et d'inspiration, de créativité. Et en fonction de ce que vous avez dans les placards. Aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas gaspiller, il faut effectivement faire avec ce qu'on a et pas être arrêté sur un ingrédient à proprement parler. Exactement. Et donc là, ils nous disent d'enfourner 25 à 30 minutes à four 180. Donc bah, écoutez, j'y vais et on revient dans une petite trentaine de minutes. Voilà. Voilà, bah écoutez, le four vient de sonner. Lucie est partie nous sortir, ça sent bon, le joli gratin. Top. Franchement, un bon petit gratin avec les restants du repas de Noël. Écoutez, rien de tel que vous souhaitez bah, une bonne fin d'année. Des bonnes fins de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Voilà, de vous faire plaisir en cuisinant en famille, hein, profiter exactement. De ces fêtes de fin d'année. Tout à fait, profitez des vôtres, prenez soin de vous. Et puis, bah, on aura le plaisir de vous dire comment à l'année prochaine. Voilà, et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À bientôt. À bientôt. Bye.